Yo, bonsoir à tous et à toutes, les gars, mes canards en action, you know what it is. Tranquille, chilling. L'enfant, ça me perd parce que c'est que je vais parler mal. Ok, cool. Donc, j'ai reçu un message, plusieurs messages. J'ai dit, j'avais promis que je ferais la vidéo. Déjà, hier, j'en parlais avec une amie, j'ai dit que je ferais la vidéo. Donc, oh Dieu, fais la vidéo. L'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est une fille qui m'écrit, plusieurs filles qui m'ont écrit, donc, pour me dire que elle sortait avec quelqu'un. Voici le cas général. Le cas général. Elle sort pas à la personne. Le gars la drague. Donc, dans draguer, elle l'a fait sortir, se sont promenés et tout. Tu vois, il n'a pas été officiel. Le jour, le mec a été officiel pour dire, écoute, tu me plais, je veux sortir avec toi. La go ne veut pas sortir avec le gars. Elle a été claire. Mais même ça, elle avait quelques petits tics, genre, elle veut pas sortir, le gars insistait un peu. Elle a été claire. Bref. Maintenant, le gars, elle comprend pas pourquoi elle lui propose l'amitié. Et puis le gars refuse l'amitié. Alors pourquoi le gars te drague, il t'a pas eu, il peut pas être ami. Parce que les filles aiment ça, elles aiment ça. Moi le sujet m'énervait. Parce que je comprends directement pourquoi les gars ne veulent pas être amis avec toi. Aujourd'hui je t'explique, le gars met en action, si tu es dans la situation, faut t'asseoir. On est suite. Yep. Maman t'aime Jami. On est suite. Toi, tu refuses de sauter avec lui. Mais tu veux être ami. Pourquoi tu veux être ami? Parce que ma chérie, quelque part, tu aimes la compagnie du gars. Tu aimes la compagnie du gars. Que ce soit pour l'argent qu'il a porté la table, que ce soit pour le fait que vous sortez ensemble, où il t'envoie, où il te promène, le fait qu'il t'appelle souvent, vos causeries, tu aimes ça, l'attention qu'il te donne, tu aimes ça. Voilà pourquoi tu restes ami et lui pour profiter, bénéficier de tout ça en tant que quoi? En tant qu'ami. Pourquoi le gars ne veut pas être ami et toi? Parce que guess what? Moi je prends mon cas à moi. Ouais ma petite, et dédicace à toutes les filles que j'ai draguées, qui vont vouloir sortir avec moi. Ça existe, le grand-mère, ça arrive sur le grand-mère. Donc, dédicace à toutes ces filles-là. Dédicace à toutes mes ex et tout le reste. Dédicace, je profite de l'occasion. Dans cette partie-là, je me mets moi-même dans la peau du gars pour pouvoir te répondre. Et comme c'est que tout le monde sait qu'il parle mal, apprêtez-vous au mal parlage du grand-mère. Ok. Pourquoi je ne veux pas être ami à certaines filles que j'ai draguées ou bien des ex, ce genre de choses. Il y a des ex que je choisis d'être ami à elles. Il y a fois, je choisis moi-même. Pourquoi le reste, par exemple, ça ne m'intéresse pas d'être ami? Parce que, ouais, fuck you. Mes amis sont guichet fermé. Je suis à guichet fermé des camaraderies. Ami, c'est guichet fermé. C'est ce qu'on appelle un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est resté avec toi depuis longtemps, que tu connais. C'est ça, c'est la vérité. Qui a fait des choses pour toi. Quelqu'un que quand tu dors là, qui est malade, il se lève, il prend son bus, il vient te voir. C'est ça qui est ma problème. Il t'appelle. Quand vous sortez là, ton ami, il s'abdrape, toi, il banque. C'est ça qu'on appelle ami. Et ça, là, on ne trouve pas ça tout le temps. Tu vois, partout, le bon de fait d'avoir 5000 amis sur Facebook, c'est que moi-même j'ai. Que tout le monde est ton camarade, que tout le monde t'aime. Il y a beaucoup d'aigris sur ma page. Beaucoup de gars qui parlent mal de moi dehors, alors qu'ils sont amis à moi. Alors, ils sont fans de moi, ils sont assis là. Tu comprends? Ils ne sont pas mes amis à moi. Je suis guichet fermé d'amis. Je ne cherche pas d'autre amitié. Fuck you. C'est ça, c'est la vérité. Je veux pas d'autre amitié. Si le gars te cause, c'est parce qu'il veut sortir avec toi. Alors, si tu as une façon de le baiser, de l'embrasser, de sortir avec lui, pourquoi il sort avec toi? Sa seule intention était de rester, de la seule motivation pour te draguer, c'est de sortir avec toi. D'être intime avec toi. Quelles que soient les raisons que tu penses, pour d'autres mauvaises raisons, il veut te beaucoup, pour te laisser, ça les fait, ça les sent, il veut t'appuyer, il rêve de ce. Quelles que soient les raisons. Tout comme toi, la raison pour laquelle tu restes ami à lui, c'est ce qui t'apporte. Que soit la popularité du gars, dans mon cas, moi, je connais les filles qui sont dehors là qui. Non, ça c'est un autre sujet, même. C'est un autre sujet. Bon, on connaît les filles qui sont là, qui veulent être amies avec toi pour quelque chose. Chacun cherche quelque chose. C'est toute une raison. C'est toi qui as payé pour la faire sortir. Toi qui as l'envoyé ici, tu as l'appelé tout le temps. Mais c'est. Moi, je donne ça gratuitement, quoi. J'ai gagné quoi? Rien! Qu'est-ce qu'il y a? On peut plus travailler? On est amis, pourquoi? Parce que si le gars il a accès d'être ami avec toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer de donner tout ce qu'il te donnait avant.
toute l'énergie qu'il peut concentrer puis dépenser quelqu'un d'autre ça, pour abandonner ça. Alors si c'est ce que toi tu veux, maintenant toi tu es égoïste. Toi là tu es une mauvaise fille, tu es une sorcière. Pas ta mère con. Bête là. Au temps de l'esclavage, les gars t'auraient pendu. Est-ce que tu comprends? On t'aurait pendu, on t'aurait tué même. Parce que tu es mauvaise. Tu profites, tu veux utiliser le gars. Moi je ne veux pas qu'on m'utilise. Hein. Moi je te drape. Tu vas sortir avec moi. Il y a foi, on se connaît. On se voit, on se salue, ça va et tout et tout et tout et tout. Mais n'active pas le jeu de ah, tu m'appelles, je t'appelle, je t'appelle, on doit être amis. Non, je suis à guichet. Mais comment on est guichet fermé. Il n'y a plus place. Actuellement, on chasse les gens à la porte. Il n'y a plus de ticket. Il n'y a plus de ticket. C'est ça qui est noir. Tu es ami pour faire tes preuves d'amitié. Tu comprends? On peut arriver à ce pour faire des preuves. Appelle-moi souvent, cause avec moi, ne demande rien de moi. Quand il arrive en boîte là, fais-moi boire, assieds-toi à ta table. Ah, c'est une couleur, la fille est cool, demain je la bois, on se recose. Mais le gars est con, tu vois, non. Si je suis malade, show up. Fais tes preuves pour être ami. C'est une compétition, ma petite. Pas ami pour une compétition, on est trop arrivé loin. Tu vas faire ça là, fuck you, va chercher quelqu'un d'autre qui va clean tes affaires, qui va être chouchou avec toi, tout et tout et tout. Ah, c'est la deuxième des raisons. Troisième des raisons pour laquelle le gars veut pas être ami avec toi, c'est parce que s'il reste ami avec toi, ça veut dire quoi? Maintenant, il a et puis te regarde. Tu vois, vous promenez ensemble. Et quelqu'un d'autre arrive de nulle part. Il va te draguer. Toi, tu vas accepter. Et puis lui, il va être là. Lui qui est fan de toi. Et puis, te voir aller avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas ça encore. Ça fait mal. Alors, pour moi, je considère que, et puis pour les hommes, c'est comme ça. C'est que, être ami avec toi, à moins que le gars a espoir que tu es dans la tranche des filles qui encore, toutes les filles d'ailleurs, qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui ne maîtrisent pas le classement des personnes qu'elles ont. Et ça, j'ai dit, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, à moins que ce soit ça, il ne va pas continuer de rester avec toi, parce que c'est une perte de temps, d'énergie. Et très souvent, surtout les Africaines, avec les Africaines, très souvent, c'est une perte d'argent. Dépense pour rien. Africaine, elle a faim. Oh la suite, elle a faim. Elle a faim. Tu n'as rien pour posséder une africaine. C'est ça, c'est le drama. C'est black people. Et elles vont te dire, ah, tu dénigres la femme africaine. Tu es en train de dénigrer la femme. Non. Mais c'est vrai. Et ça, là, on dit ça parce que ça leur fait mal. Et on critique, on sort la chose pour qu'elle change. Et quand elles ne veulent pas changer, qu'elles ne vont pas changer, dans le reste de l'histoire, c'est, ah, tu critiques la femme, là, là. Vous savez quoi? C'est pour ça que le gars black, il sort sur les blanches. C'est pour ça. Donc, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Alors, si tu veux pas rester là à assister au fait que la fille va sortir quelqu'un d'autre, que tu vas dépenser toujours pour la faire sortir, que tu vas prendre ton énergie pour t'occuper d'elle, voir comment elle va, et ton temps pour la faire sortir, aller la soulever qu'elle est malade, pour l'envoyer à l'hôpital, la compagnie, elle n'a pas parent. Les filles là sont comme ça, elle n'a pas parent, elle n'a pas parent, elle n'a rien, elle est malheureuse où elle est. Donc, tu vas perdre tout ça là comme temps, argent, dépenses et énergie. Le gars ne peut pas être ami avec toi. Parce qu'il va faire ça là seulement que pour la fille qui va l'aimer aussi. C'est ça, c'est la vérité. Ou bien, pour sa meilleure amie qui lui apporte tout ça là en échange. Elle a peur souvent prendre. Tu vois, non? À chacun ses choses. Tu vois, Margot, tu me baisses pas, tu me laves pas. Pourquoi tu veux quelque chose? Toi, tu me baisses? Non. Tu me laves? Non. Donc, what the fuck? Oh, pourquoi même? Un ami, pourquoi? On va être ami, pourquoi? C'est dans ma vie, pourquoi? Yo, tu es beaucoup de ma vie, I need space, tu vois, non? Tu es beaucoup, j'ai mes amis à aller voir, what the fuck, tu me vois, on voit, tu cries, ah, attends, non, tu t'as ça avec moi, pourquoi, on se connaît, ouais, bon, mais bon, ça va être là, et, très net, les gars, you know, c'est ça, en fait, c'est ça, voilà la raison pour laquelle les gars ne veulent pas être amis avec vous, quand ils t'ont dragué, et quand ça n'a pas marché, quand tu as dit oui, on a guichet fermé d'amis, on n'a pas besoin de toi en tant qu'ami, ça fait mal, accepte, dealer la chose. Parce que tu sais quoi, quand tu as dit au gars que tu ne veux pas sortir avec lui, ça lui a fait mal, il a dealé avec ça. Nous, il paraît que tu sois notre camarade, accepte, deal avec ça. Pour la dernière fois, il te répète, on ne veut pas que tu sois, on n'a pas besoin de toi, on ne veut pas de toi. Reste dans ton coin, reste dans ton coin. T'as compris? Il a mis, hein? Oh my god, dang.